meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the chancellor of the exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. Il se passe un truc. Jamais vu en France. Pour la première fois, on s'empare de nos places et on redécouvre l'espoir. Et je trouve que c'est formidable que là, il y ait des jeunes qui luttent, qui se battent et qui aient le courage de le faire. Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent, ils baignent ensemble. C'est vrai. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parti, pas de barrière, pas d'étiquette. Il n'y a que des gens comme toi et moi, en fait. Jamais de nos vies, on a pu se retrouver comme ça, ensemble, librement, sur nos places, à se rencontrer, à réfléchir ensemble, à faire la fête. Imaginez, il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout. C'est la France qui est là. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est là, c'est maintenant. C'est pas la télé, c'est pas la télé, c'est ici. Faut que tu descendes là. Maintenant, debout et vigilant. Debout et vigilant, c'est maintenant. Les choses sont en train de bouger. Il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays. Ça se passe dans toutes les nuits debout en France. Il y a plein de villes qui sont concernées par le truc. Il n'y a pas que à Paris. Si t'habites à Nantes, si t'habites à Marseille, il y a des nuits debout partout. Donc viens, va à tes nuits debout. Tous vous l'ont dit avant moi, il se passe quelque chose ici. Quoi ? La politique au sens le plus élevé du terme. Et puis peut-être, allez savoir, rêvons un peu, l'histoire qui se remet en mouvement. Ce serait idiot de ne pas en être. Rejoignez-nous. Notre vie est définie par la société, nous sommes liés à elle. Si elle perd, l'envie laisse place à l'ennui.